get to you. Yo, bisama, c'est Flomax et on se retrouve sur Call of Duty World War 2 pour continuer la campagne. Donc dans le dernier épisode, on a fait la première mission, donc jour J. Et donc là, on va faire la deuxième mission, Opération Cobra, 25 juillet 1944. Donc comme d'habitude, je vais pas vraiment parler. Je vais vous laisser profiter comme un film. Et puis voilà, c'est parti. Cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny. Ainsi, nous contrôlerons les routes et nous pourrons traverser la France pour rejoindre Paris. La libération approche. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec de jolies médailles autour du cou. Et avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Mota. Je pense que Schmeling aurait mis la Mota KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il n'a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement toi, on t'a pas sonné, d'accord. Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein? Waouh. Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussmann peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien mis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Accrochez-vous, les gars! Ça va secouer! Comme toujours, non? Je pense que Pearson t'a à la bonne! Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez! Allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup! Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul! Oh, pas de danger avec Pearson! Tu sais pourquoi il t'a dans le nez? La face de Catherine! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, ses hommes y sont restés. La mission a foiré, un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu piges. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? Pour de la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue? Ils avaient aucune chance.
sais que ce front à cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart... C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez? Je dirige vers nous. Stuka, on approche. Merde! Allô, dégagez! Éloignez-vous de la route! On fera une boucle! Allez! On doit protéger nos Sherman! Je vois des tirs de DCA là-bas! Prenons l'un de ces canons pour descendre ces Stuka! Mitrailleuse dans la gorge! Merde! Tout le monde à terre! On doit détruire ces mitrailleuses! Je veux que des équipes les contournent par la gauche et la droite! Allez, allez! Voilà par ici! Les voilà, soldats. Au
Occupez-vous de ces prisonniers. Daniel, continue. Tu commences le dingo. Dans l'embuscade, mais on leur a rendu la monnaie de leur pièce. Il y a des îlots de résistance fortifiés avec des packs 38 devant nous. Va falloir faire le ménage. Très bien. Pearson, traversez le verger avec une équipe de tir et trouvez une position de soutien. Une fois que vous aurez préparé le terrain, je mènerai l'assaut principal avec Perez. Bien compris. Daniels, Sussman, avec moi, allez. Perez, Cosette, pack 38. C'est quoi ces engins? Des canons allemands. Tueurs de chars. T'as pas lu le briefing? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse contre les tueurs de chars? Me pose la même question. C'est l'un des nôtres. Un P-47. Oh merde! Si seulement j'avais pris ce canon de DCA avant! Tu peux pas t'en vouloir. Ce sont des civils. C'est un crime de guerre. Sans blague. Oublie pas qu'on affronte les nazis. Par ici ! On tient notre poste d'observation. Vas-y, sortez jumelles ! Voilà Perez et ses gars. Ils foncent droit dans la gueule du loup. On doit dégommer les servants de ces packs. Feu à volonté, tout le monde ! J'ai deux packs en visuel ! Daniel, éliminez les servants ! Lucas ! Prends plus de précision, Daniel !
Les deux groupes de servants des parcs rendus ont été éliminés, nos caravans. Éliminez les derniers Allemands dans les tranchées. La voie est libre! Attention! Les charaliers franchissent les tranchées! Autres ennemis derrière ces haies! Abritez-vous derrière les chars! Tout le monde à couvert! Pousse de secours ici! À couvert! En colonne, derrière les chars! Autant servir de ces bestiaux! À tous les chars! En avant toutes! Avancez à couvert derrière les chars! Dépêche émerge des tranchées! J'ai besoin d'aide. Hop. Daniel, trouve un fusil à lunettes et tire sur ses pattes. Le compte est en face. Fais sauter les réserves de munitions. Sergent, montrez-les-moi! En mouvement au sud!
Lieutenant. Un instant. Voilà le commandant. Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il lui faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même. Oui, chef. Merde. On peut prendre les jeeps, mais on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Thérèse, Pearson te suivra avec l'escouade. Impossible. Les nouveaux ordres de Collins. On part vers l'ouest avec la 11e. C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Il y a que vous. Prenez ces jeeps et en route. Allez. Très bien. On y va. La compagnie Charlie est dans la mouise. Il faut qu'on aille l'aider. Allez. Comment on va, Marigny? Suivez la route. C'est le prochain village. Il y a un gros virage qui arrive. Vas-y, mon nom. La route, c'est le secours. Sur la compagnie Charlie, faut qu'on arrive là-bas les premiers. Tire à gauche. Arrêtez de se voir comme ça. Faites pas dans l'insensiblerie, Murphy. Merci de nous avoir sauvés. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis, les gars. Pardon, sergent. Ouais. La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Vous n'aurez pas trouvé un meilleur endroit pour bivouaquer? Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre au Ritz. Chef. Il a peur, c'est tout. Occupe-toi de tes problèmes à toi. À savoir comment tu vas tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniels, tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux que n'importe quel ennemi. Dormez, les gars. On attaquera Marigny à la première heure. Je n'arrive pas à croire que je me bats à nouveau aux côtés de Jussman. Il tient bien le coup, après une marche forcée de plusieurs kilomètres. On pourrait penser que Pearson le laisserait un peu tranquille, mais il n'en a rien fait. Wouh ! Waouh, les gars ! Bah voilà, c'était le deuxième épisode de la campagne, Opération Combat, c'était...
C'est intéressant, hein? Il y avait du véhicule, il y avait du gros calibre, c'était bon, hein? Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez au pouce bleu et on se retrouve pour le 3e épisode. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine! Allez, tchuss!